Alors, entre 2018 et 2020, le code électoral a connu deux modifications et s'apprête à subir une troisième. Pour vous donner une idée, la loi électorale a été révisée en juillet 2018, puis en janvier 2020, et donc réintroduite juste la semaine dernière, soit 6 mois plus tard, pour subir une autre modification. Pourquoi cette instabilité, ces modifications ont-elles trouvé toutes les réponses aux défis qui se posent à l'organisation des élections du 22 novembre prochain? Ce sont là les questions auxquelles nous allons tenter d'apporter des réponses ce soir. Bonsoir à tous et merci de suivre Controverse, votre émission de débat contradictoire sur la télévision du Burkina. Et comme invité ce soir, j'ai avec moi sur ce plateau M. Bruce Emmanuel Sawadogo. Il est directeur général des libertés publiques au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Avec moi, Maître Samuel Guitanga. Il est du FOCAL, une organisation de la société civile. Et il est aussi avocat à la Cour. Et puis avec nous ici ce soir, M. Joachim Bagayan, il est du Parti au pouvoir, le Mouvement du Peuple pour le Progrès. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Juste le temps de dire que cette émission est participative en deuxième partie. Il sera possible de nous appeler au 25 40 79 03 pour apporter votre contribution ou poser tout simplement des questions aux invités qui sont en plateau avec moi. Et ce sera donc après l'heure de l'émission. Messieurs, comme libellé, on se pose deux questions ce soir. La première, c'est pourquoi cette instabilité du code électoral? Et en deuxième question, il y aura donc, est-ce qu'on a pu apporter les réponses aux défis qui se posent aux élections du 22 novembre 2020? Alors, Monsieur Sawadogo, on va commencer par vous. Pourquoi d'abord le retrait de cette loi, de ce projet de loi qui était à l'Assemblée nationale? Bonsoir, Monsieur Gongo, je voudrais tout d'abord dire merci à la RTB pour l'invitation. Et vous savez que je représente l'administration ici, et particulièrement le ministère en charge des libertés publiques, le ministère de l'administration territoriale, la décentralisation et de la cohésion sociale. Nous abordons un sujet qui peut être passionnant parce que ça concerne le choix de nos dirigeants. C'est le code électoral, le texte donc qui réglemente tout le processus donc du choix de nos dirigeants au niveau local, notamment donc l'élection des conseillers municipaux, et au niveau national, l'élection des députés à l'Assemblée nationale et également l'élection du président du FASO. Alors, récemment, il y a rien que la semaine dernière, il y avait le ministère, le gouvernement avait introduit, après l'adoption de l'avant-projet de loi, un projet de loi à l'Assemblée nationale. Et pour requérir tout le consensus nécessaire autour de ce projet, et avec tous les débats qui se faisaient pour éviter également le risque de confusion avec les propositions de l'Assemblée nationale et qui tendaient donc à la prolongation effectivement donc du mandat des députés, le découplage le gouvernement a préféré retirer le projet de loi afin d'approfondir davantage donc la réflexion autour donc du code électoral avant son introduction. Parce que ce qui est important pour le gouvernement, c'est qu'il y ait un consensus autour de la loi électorale. Et c'est cette raison qui est justifiée. Et donc, l'opposition et la majorité sont à nouveau consultés donc autour de ce projet de loi avant que le projet ne soit réintroduit Reparte à à l'Assemblée l'Assemblée nationale. nationale, puisque vous parlez de l'opposition. On avait voulu les avoir sur ce plateau ce soir, mais malheureusement, ça n'a pas été possible. On a dû contacter jusqu'à 5 personnes, mais personne n'était disponible pour participer à ce débat. Mais comme c'est un sujet, comme vous le dites, au moins pour une fois, où on retrouve à la fois l'opposition, on retrouve consensus entre l'opposition et la majorité. Donc, il n'y aura pas de souci donc à mener ce débat ce soir. Maître Samuel Guitanga, pourquoi, comment expliquez-vous cette instabilité du code électoral? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, entre 2018 et 2020, on a déjà
deux révisions et on s'apprête à faire la troisième. Merci Simon Gongo, merci aussi à la RTB pour l'invitation pour aborder ce thème combien important au regard de l'actualité et aussi des horizons à venir. Il faut dire que la dynamique qui caractérise le code électoral s'explique par la nature et la matière qu'il régit. Les élections sont en quelque sorte une compétition. Une compétition dans laquelle les acteurs développent divers moyens pour aller à la conquête de l'électorat. Et le droit électoral, comme on le dit, c'est ce droit-là qui régit à la fois les élections et les opérations électorales. Et il s'agit d'un droit constitutionnel matériel. Et comme le droit constitutionnel, il est un droit de rapport de force. Ce fait que là où il y a du rapport de force, il y a forcément une dynamique et il y a de l'évolution. Et comme il s'agit de droits actuels et permanents, à chaque fois qu'il y a des changements dans la société, il faut s'attendre à ce que ce droit-là puisse prendre un coup, soit qu'il fasse un recul pour prendre en compte certains oublis du passé, ou bien qu'il fasse de l'avant pour prévoir certaines conséquences qui n'avaient pas été vues au moment de son adoption. Alors, donc, ça peut se comprendre. Là, M. Baguignan, on a l'impression qu'on fait un peu de surplace parce que ce sont les mêmes interrogations qu'on avait dans ce code-là, qu'on revient corriger ou peut-être qu'on reporte à une prochaine fois et on est obligé chaque fois peut-être parce qu'il n'y a pas encore consensus ou parce qu'il y a débat sur tel ou tel article, on est obligé de revenir encore chaque fois à l'Assemblée nationale. Merci M. Gongo d'avoir associé la majorité présidentielle à cette émission. Contrairement à ce que vous dites, je pense qu'on ne fait pas du surplace en matière de loi électorale au Burkina. Parce que, comme vous le savez, l'élaboration de cette loi est forcément impactée par la nature politique et technique des élections. Et comme Maître Guitanga le disait, en fonction donc de l'histoire du pays et des circonstances et des contingences, les acteurs sont amenés perpétuellement à rechercher les meilleures règles du jeu, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit de s'assurer que nous allons à la compétition avec des règles bien établies et convenues par tous, de sorte que au bout du processus, il n'y ait pas de difficultés particulières qui ne puissent être résolues par la loi électorale. Donc c'est ce qui justifie donc ce dynamisme, j'allais dire, de la loi électorale. Et heureusement pour nous que ce n'est qu'une simple loi et dont la révision est souvent facilitée avec la compréhension de nos élus nationaux. Mais quand on prend par exemple la question de la révision de janvier, c'était le fond du débat en 2018, lorsque l'opposition réclamait par exemple la prise en compte, l'ouverture de plusieurs bureaux de vote qui avaient été rejetés par la majorité. C'est ce qu'on revient accepter en 2020, comme si on ne pouvait pas le faire en même temps en 2018. Est-ce que là, effectivement, il n'y a pas de problème? À mon sens, il n'y a pas de problème parce que nous avons là deux acteurs. Nous avons les acteurs, j'allais dire, institutionnels qu'on retrouve au niveau de l'Assemblée avec l'ensemble des députés. Mais vous savez que notre classe politique est tellement large qu'un bon nombre de partis ne se retrouvent pas à l'Assemblée. Nous avons des partis extra-parlementaires qui, heureusement, ont droit à la parole, participent au débat, donnent leurs avis à travers d'autres types de regroupements. Nous avons le CEFOP, qui regroupe aussi bien des partis parlementaires que des partis extra-parlementaires. Nous avons également l'APMP, qui regroupe des partis qui sont à l'Assemblée et d'autres qui n'y sont pas. Donc le cadre de dialogue politique que le chef de l'État a eu l'intelligence de créer et donne l'occasion donc à ce grand groupe de pouvoir s'exprimer sur le code électoral et tous les aspects qui sont en lien avec les élections. Je crois que c'est une bonne chose d'avoir donc la possibilité d'associer
beaucoup plus de partis politiques au débat et puis aux solutions. Plus on est de partis politiques, plus il y a de consensus, c'est ce que nous constatons et on s'en réjouit. Oui, sauf que vous donnez du travail à l'administration finalement, parce que des questions qu'on pouvait régler en 2018, on se retrouve à les rappeler au débat en 2020, donc vous êtes au charbon permanemment, oui. M. Sawadogo. Mais c'est notre boulot, mais ce n'est pas un travail que nous faisons avec beaucoup de leaders, non, pas du tout. Je voudrais rappeler quand même que pour ce qui concerne la révision de 2018, il s'agissait de prendre en compte un certain nombre de dispositions. Vous savez que après l'insurrection populaire, et il y avait la volonté, l'expression d'une volonté populaire d'avoir une nouvelle constitution, et par référendum. Mais quand vous prenez notre code électoral, il n'y avait aucune disposition en lien avec le référendum. Donc la révision de G 2018 était de prendre en compte justement toutes les dispositions relatives au référendum et également au vote des Burkinabés de l'étranger et également les documents de votation. Mais de 2018 à 2020, entre-temps est passé le dialogue politique, comme l'a dit mon voisin, et son Excellence Monsieur le Président Faso a convoqué oui, les acteurs est-ce que politiques. Pas parce que aussi le code était querellé, on se rappelle de l'opposition qui avait claqué la porte à l'Assemblée nationale à l'époque, est-ce que c'est pas parce qu'il n'y a pas consensus qu'on est obligé, comme je le disais tout à l'heure, de convoquer encore ce dialogue politique-là, oui, mais qu'on pourrait éviter peut-être. C'est tout à fait normal que le chef de l'État recherche un consensus sur la loi électorale. Je voudrais consensus rappeler... qu'on pouvait trouver en 2018. Non, mais regardez un peu l'histoire de notre pays, ce n'est pas seulement en 2018. Le code électoral a été adopté en avril 2001. Entre 2001 et 2006, il y a eu jusqu'à 5 révisions. C'est-à-dire qu'en 2002, il y a eu une modification. En 2004, une modification. En 2005, une modification. En 2006, une modification. Et ensuite, quand vous regardez un peu cette évolution, à partir de 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, il y a eu des modifications. Ce qui est important, c'est qu'il y ait de façon permanente, comme l'a dit Maître dans son développement, que quand il y a problème autour d'une disposition du code, qu'on se retrouve afin d'aller aux élections, pour que les résultats qui vont être donc issus donc des élections soient des résultats apaisés et donc acceptés par tous les acteurs. C'est ça qui est le plus important. Maître Guitanga, lorsque vous vous regardez tout cela, là, c'est quand même de surplace, parce que les questions, comme je dis tout à l'heure, qui sont soumises à débat aujourd'hui, sont les mêmes questions qui existaient il y a peut-être 2 ans de cela, qu'on a refusé peut-être de vider et qu'on est obligé de convoquer encore une fois de plus. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous que souvent on a l'impression qu'on fait un recul pour revenir sur ses pas. Mais bon, comme on le dit, hein, les organes du corps, on ne connaît leurs utilités que quand vient le moment de les utiliser. Et ce qui n'a pas marché en 2018 peut s'expliquer par, je dirais, la matière même qui est conflictuelle par nature, qui fait que les acteurs, chacun voit comment maximiser dans les gains et dans les intérêts. Donc à un moment donné, on peut constater qu'il y a un malentendu ou bien en tout cas une contradiction patente sur un certain nombre d'éléments. Parce que quand on prend la révision du code en 2018, elle a porté essentiellement sur la mise en œuvre du vote des Burkinabés de l'étranger. Et c'est surtout les documents électoraux qui ont posé beaucoup de problèmes. Parce qu'il s'est agi de retirer la carte consulaire comme étant un document devant permettre aux citoyens de s'inscrire sur la liste électorale pour ne garder que la CNIB et le passeport ordinaire. Et connaissant la disponibilité de ces documents-là à l'étranger, les difficultés qu'il y a à s'en procurer, et l'usage que l'on fait, il n'était pas facile peut-être pour les acteurs de trouver un terrain d'entente en son temps. Mais on peut déjà s'en féliciter si, à un moment donné, les acteurs ont compris qu'il y va de l'intérêt général de s'entendre, de parler le même langage, d'avoir un texte consensuel qui va régir donc les élections,
Parce que quand vous partez à une compétition qui vous demande de l'affrontement, si vous êtes déjà belliqueux, il y va de soi que l'issue puisse être donc interrogatoire. Peut-être que ce que je voudrais ajouter pour la révision de 2020, mais lorsque nous nous apprêtions donc à faire cette révision en G, donc récemment, il faut savoir qu'il y a eu entre-temps donc, le Covid qui est passé également par là. Et le gouvernement avait déjà convoqué le corps électoral pour le 22 novembre 2020. Alors, il y a également que la CENI avait donc une période déterminée pour la révision et l'enrôlement donc des listes électorales. Et il a fallu quelque peu rattraper quand même 2 mois et demi, 3 mois de retard donc sur tout le processus. Donc au-delà des aspects liés donc aux documents et autres, il y avait vraiment des raisons objectives. Et ce qui est important, comme je l'ai dit donc dans ce cas de figure, c'est qu'il y ait un consensus des acteurs politiques. Et heureusement que pour ce qui concerne donc le code qui avait été introduit à l'Assemblée nationale, il y avait un consensus des acteurs. Alors, on suppose que là, vous dites pratiquement la même chose. On va évoluer dans ce débat. La deuxième question qu'on se pose, finalement, après toutes ces révisions, est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Je commence par vous, M. Baguéan. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Certainement pas, parce que c'est de l'ordre normal des choses. Lorsque on est au bout d'un processus électoral, qu'on puisse procéder à l'évaluation du cycle à travers différents ateliers et toute forme de réflexion sur les différentes étapes qui ont conduit à l'élection avec les difficultés constatées. Donc, au bout du rouleau, il est normal qu'on prévoie des réformes pour améliorer l'exécution du prochain cycle. C'est dans ce cadre qu'il faut voir les révisions, j'allais dire permanente et perpétuelle du code. Et un autre aspect sur lequel je voudrais revenir, Maître Guitanga a souvent parlé de compétition. C'est vrai, les élections, ce n'est pas seulement pour que de façon juste et pacifique, des compétiteurs puissent être départagés. Il y a aussi le peuple qui est pris en compte dans ces élections. Donc autant on révise la loi électorale pour faciliter la compétition entre les partis politiques, autant on le révise pour prendre en compte aussi les aspirations des populations qui veulent s'assurer qu'elles jouissent de tous les droits qui leur sont consacrés par la Constitution dans le choix de ceux qui prétendent les représenter plus tard ou gérer les affaires publiques de leur État. Donc, il y a ces deux aspects, autant les partis politiques, les candidats, que les électeurs qui sont pris en compte. Et chaque fois qu'il y a un intérêt donc venant d'un côté ou d'un autre, c'est normal qu'on recherche ce consensus qui est déjà un gage d'une bonne loi. Lorsqu'il y a consensus avant l'adoption d'une loi, vous pouvez être sûr que pour son application, il y aura beaucoup moins de difficultés. Alors, M. Guitanga, je vous répète la même question. Est-ce qu'aujourd'hui, on a répondu à toutes les questions? Alors, répondre à toutes les questions, je dirais que non. On est peut-être même loin de pouvoir répondre à toutes les questions. Parce que le processus électoral, c'est à la fois le techniquement correct, là où il faut avoir un processus bien mené par des organes de gestion des élections en place et qui jouit donc de toutes les compétences et de tout le matériel nécessaire pour mener à bien son travail. Mais c'est aussi du politiquement juste, c'est-à-dire qu'il faut des acteurs qui soient dans un état d'esprit qui leur permet d'aller de façon, je dirais, libre et consciente à la conquête de l'électorat, en sachant qu'ils ont peut-être les mêmes moyens du point de vue de la loi pour aller conquérir donc les suffrages pour être donc désignés à des postes de responsabilité. Mais c'est aussi du socialement utile,
parce que il s'agit des droits des citoyens en jeu. Et il faut faire en sorte que ces droits-là soient au maximum respectés. Et à chaque fois que nous avançons, il y a peut-être de nouveaux droits qui émergent. Il y a de citoyens qui atteignent donc l'âge de la majorité, de nouvelles conditions qui apparaissent et qu'il faut prendre en compte pour permettre donc au plus grand nombre, en tout cas ceux qui le souhaitent, d'exercer leur droit de vote. Ce qui fait que les réalités actuelles, je peux parler par exemple de l'insécurité, des déplacés, font que actuellement il y a une nouvelle donne qui fait que le code électoral est en retard, si on peut le dire, sinon en tout cas en défaillance avec certaines réalités et qui peut empiéter sur l'exercice du droit de vote. Mais il faut aussi dire que, de manière générale, le processus de légiférer dans nos États a souvent des handicaps. On a l'impression que l'on veut régler l'immédiat sans se projeter dans le long terme. Ce qui fait que nos lois ont une durée de vie très courte. Parce qu'il y a des lois, dès qu'elles sont adoptées, promulguées, dès la mise en application, on se rend compte que ce sont des lois déjà désuètes. Ça veut dire qu'au moment de leur élaboration, on n'a pas poussé la réflexion peut-être plus loin pour prendre en compte une certaine donne. Maurice Emmanuel Sawadogo, vous êtes de l'institution qui propose ces lois-là. Comment est-ce que vous n'êtes pas dans la prospective et que bien souvent vous êtes peut-être dans le conjoncturel? Oh non. Je crois bien que nous sommes dans la perspective et dans la prospective parce que vous vous souviendrez que juste après les élections de 2015, il y a eu des consultations de tous les acteurs, notamment des acteurs politiques, des acteurs d'opposition, des acteurs de la majorité, de la société civile, etc. Et tous les centres de recherche des universitaires qui ont fait des propositions sur l'amélioration du processus électoral. Nous avons dans nos prévisions, en réalité, le fait que d'ici après les élections de 2020, nous puissions avoir une révision intégrale, en réalité, du code. Ce que nous faisons, c'est une révision à minima. Et c'est une conclusion du dialogue politique qui a suggéré à ce qu'on puisse faire une révision à minima afin qu'on puisse aller à l'élection. Sinon, nous avons toutes les propositions sur notre table, des propositions venant de beaucoup d'institutions et même des partenaires techniques et financiers, des partenaires stratégiques et vraiment des intellectuels de haut niveau qui nous permettent en tout cas d'améliorer notre processus électoral. Sauf que pour les élections à venir, Maître Guitana le dit tout à l'heure, pour les élections du 22 novembre, vous n'avez pas encore répondu à toutes les questions, notamment la question sécuritaire et peut-être aussi la question de la diaspora. Oui, mais pour la question de la diaspora, la question est répondue parce que il y a eu une promesse du président Faso de faire participer la diaspora à l'élection. S'il est vrai qu'il faut reconnaître que pour ce qui concerne l'enrôlement des Burkinabés de l'extérieur, on n'a pas pu avoir le taux qu'on voulait, donc le taux escompté. Il faut reconnaître que c'est une promesse qui a été tenue. Ça, c'est le premier point. Ensuite, pour ce qui concerne l'aspect sécuritaire, vous savez très bien que c'est un aspect qu'il est difficile à appréhender. La CENI, lorsque la CENI faisait donc le point sur l'état de l'enrôlement il y a de cela à peu près 2 semaines, la CENI a pu couvrir 81% du territoire national. Il restait 19% qu'il fallait couvrir et renforcer la sécurité. Et donc, à partir de il y a 10 jours de cela, la CENI est répartie encore dans des régions qui étaient suspectées d'être insécuritairement mal en point et a pu avoir des enrôlés dans un certain nombre de départements et de communes. Il faut reconnaître que notre situation sécuritaire est aujourd'hui difficile et qu'il y a des zones où il est très difficile de pouvoir certainement faire peut-être l'enrôlement, etc. Mais comme je l'ai dit... Oui, est-ce que ce n'est pas là justement que la loi doit répondre de façon précise, Maître Guitana? Oui, je crois qu'à l'étape actuelle, il y a des gens qui sont dans une situation où on se pose la question de savoir pourront-ils exercer leur droit de vote, oui ou non, à la date du 22 novembre. Donc ces questions-là, le code dans ses dispositions actuelles
ne les ont pas résolus. Est-ce faut-il modifier le code avant ces élections-là pour permettre de prendre en compte ces cas ou il faut s'en passer? C'est là la question. Quand vous parlez de cas concrètement, c'est quoi? Je parle par exemple des cas des déplacés. Nous savons tous que pour les élections, il y a des circonscriptions électorales. Et l'enrôlement permet à chaque citoyen d'être dans le fichier, mais être rattaché à un bureau de vote qui, lui, est localisé dans un lieu dit du territoire. Et une fois que ce lieu-là n'est plus accessible, ça veut dire que l'intéressé est décollé de son bureau de vote. Et si le bureau de vote, lui, n'est pas décollé et il reste là-bas, comment ce citoyen-là exerce donc son droit? Voilà une réalité. Cette question, je ne pense pas. Peut-être je, que... Je voudrais apporter quelques éléments de réponse sur cette question. Allez-y. Parce que pour ce qui concerne le comité du suivi du dialogue politique, la question a été pratiquement tranchée en disant que les déplacés internes votent là où ils se résident actuellement. Et donc ça fait que même pour ce qui concerne l'enrôlement ou la révision de la liste électorale, la CENI a pu installer quand même un certain nombre de bureaux de vote dans des endroits où se trouvent également des déplacés internes. Donc il faut comprendre que la situation est difficilement maîtrisable sur le plan sécuritaire. Mais pour autant, si les acteurs s'entendent à aller aux élections, il faut faire. Je suis tout à fait d'accord que certainement il faut pousser la réflexion pour ce qui concerne donc des cas spécifiques, mais le code que nous avons est un code qui peut être appliqué sur le terrain et qui peut concerner. On va prendre l'avis d'un acteur qui est là justement, avant de revenir à vous, maître Guitanga. Oui. M. Bagaya. Pour nous, partis politiques, cette question sécuritaire est vraiment centrale parce qu'il s'agit de nos électeurs potentiels et nous avons tout intérêt à ce que tous les Burkinabés, où qu'ils se trouvent, puissent user de leur droit de vote afin de nous confirmer au pouvoir, afin de pouvoir élire leurs représentants à l'Assemblée nationale et plus tard au niveau des conseils municipaux. Vous confirmez ou non, parce que comme l'autre camp n'est pas là, on ne va pas vous laisser. Voilà, peut-être mais que ce droit leur soit reconnu, voilà. Oui. Voilà. Nous sommes bons compétiteurs. Ouais. En allant à la compétition, quelle que soit l'assurance que nous avons, nous ne nions pas aux autres la prétention de pouvoir se mesurer à nous. Et sur ce... Et la question, justement, vous répondez à cette question comment exactement aujourd'hui, après ce dialogue? En tant que parti politique, ce n'est pas nous qui répondons à cette question. Nous sommes preneurs de toutes les meilleures solutions qui seront envisagées pour nous permettre d'aller aux élections du 22 novembre prochain. Donc, c'est sûr que la CENI travaille d'arrache-pied pour sécuriser ses bureaux de vote parce qu'en premier lieu, il revient à cet organe de gestion des élections d'assurer la sécurité des scrutins. C'est sûr qu'au niveau du gouvernement aussi, les mesures sont prises pour que le territoire soit sécurisé afin de faciliter donc le déploiement du personnel et du matériel pour les élections, et que les électeurs puissent aussi avoir l'assurance de participer à des élections sans grand dommage. Et il y a beaucoup d'exemples à travers le monde où les élections se sont déroulées dans des circonstances beaucoup plus inquiétantes. Je pense à un pays comme l'Afghanistan qui, depuis des décennies, vote malgré ce que vous savez de l'activisme vraiment anti-élection des talibans. Je pense à la situation en Centrafrique. Chez nous, on trouvera aussi des solutions. Il y a suffisamment d'intelligence autour du président du FASO pour pouvoir lui donner les outils nécessaires de nous proposer quelque chose qui satisfasse et aux partis politiques et à la population, aux électeurs. Alors, M. Guitanga qui voulait réagir. Je voudrais tout simplement que l'on soit un peu plus prudent lorsqu'il s'agit de la légalité des élections. Vous voyez, le dialogue politique, c'est très utile. Ça permet aux acteurs d'échanger. Ça leur permet de convenir de quelque chose. Mais
ce consensus ne fait pas loi. Si vous avez par consensus arrêté une position commune, si vous voulez qu'elle soit appliquée, il faut la traduire dans un texte de loi. Autrement, vous ne pouvez pas demander à l'organe chargé de la gestion des élections d'appliquer votre consensus qui ne figure nulle part dans un texte de loi. Et mieux, si cela arrivait et qu'un citoyen qui exerce son droit de recours attaque l'acte devant les juridictions, il ne faut pas être surpris que l'on ait donc annulé ce que vous avez posé comme acte. C'est pourquoi je pense que ce que les acteurs ont convenu, il faudra qu'ils aillent aussi plus loin en traduisant cela légalement dans un texte de loi. Sinon, on a beau avoir des consensus, si ces consensus-là ne sont pas traduits en texte de loi, on aura des difficultés à les mettre en œuvre. Je suis particulièrement heureux d'entendre Maître Gitanga dire que le consensus ne vaut pas loi, parce que c'est une des mauvaises pratiques qui existait dans ce pays, surtout en matière d'élection, que les partis s'accordent en dehors du cadre légal et estiment que cela vaut loi. Mais de plus en plus, vous remarquez que les Burkinabés connaissent de mieux en mieux leurs droits, surtout en matière électorale, et n'hésitent pas à recourir aux tribunaux pour exposer leur contentieux vis-à-vis de tout le processus électoral. Donc c'est bien de prendre des barrières, des mesures afin que tout soit légal de bout en bout. C'est le cadre dans lequel on doit évoluer, c'est les règles du jeu et ce n'est pas intéressant qu'on puisse aller à cette compétition sans un même cadre reconnu par tout le monde. C'est vous qui êtes chargé d'organiser ce cadre-là? Tout à fait. C'est nous qui sommes chargés d'organiser ce cadre en collaboration bien sûr avec l'ensemble des acteurs. Vous savez, le processus est suffisamment long et peut intégrer donc tout le dispositif nécessaire. Lorsque l'avant-projet de loi va déjà au niveau du gouvernement, il y a des possibilités d'amendement. Et lorsque cet avant-projet de loi est adopté, devient projet de loi et transmis à l'Assemblée nationale continue des consultations de l'ensemble des acteurs, y compris la société civile, en vue d'améliorer donc le dispositif institutionnel ou le dispositif législatif. Il peut certainement avoir des insuffisances, ça, il faut le reconnaître. Mais ce que je dis, c'est que ce que nous disposons actuellement comme loi ou comme projet qui est en train d'être introduit peut nous permettre d'aller aux élections avec beaucoup de sérénité. Alors, M. Gitanga, est-ce que ce n'est pas une erreur peut-être de tout confier aux acteurs politiques quand on sait que parler de politique, c'est aussi une question de jeu d'intérêt? Je crois que la matière électorale n'est pas la chasse gardée des acteurs politiques. Comme on l'a dit, le citoyen a son droit. C'est plutôt lui-même qu'on devrait privilégier, parce que lui, il veut exercer son droit. Il appartient donc à l'État de lui garantir les conditions sine qua non pour exercer ce droit-là. Et à chaque fois que ces conditions ne sont pas réunies, je pense que c'est là-bas d'abord qu'il faut penser. Parce que les acteurs politiques, sans les électeurs que sont les citoyens, ne sont rien. Puisque c'est au vu du suffrage réuni que vous pouvez être élu ou non. Mais ce qu'il faut aussi tenir compte, c'est que le processus électoral est hautement technique et très contraignant. Plus vous avancez, moins vous avez de liberté de modifier certaines choses. On a déjà un calendrier calé, avec des dates bien précises, avec des actes à poser à des dates connues. Ce qui fait que quand vous perdez un seul jour, vous pouvez empiéter sur tout le processus. D'où la prudence dans l'élaboration des textes et les délais qu'il faut se donner pour les modifier. Pour moi, il faut, un toilettage général, il devrait y avoir, comme l'a dit Bruce, il faudra que l'ensemble des acteurs participent pour qu'on puisse prendre en compte l'essentiel et le plus important. À défaut, lorsqu'il s'agit simplement des acteurs politiques, il peut être mis en exergue la compétition en oubliant peut-être la base. Parce que la compétition n'a lieu que s'il y a des électeurs pour donc élire qui que ce soit.
Monsieur Samadougou, est-ce que vous n'avez pas finalement abandonné peut-être cette question électorale-là entre les mains des politiques qui, malheureusement, entre griffes, on va dire, est intéressée après tout, avant tout par la question de la compétition électorale, donc des jeux d'intérêt? Non, je... La direction... Parce que là, on parle de la diaspora, on n'a jamais entendu la diaspora. On parle de sécurité des populations déplacées qui doivent participer au vote. On ne les a jamais entendues. Et ce sont les politiques qui doivent décider d'où, par exemple, les déplacés doivent voter. Est-ce que c'est dans leur village d'origine ou bien c'est dans leur village d'accueil, par exemple? Non, autant faire un référendum. Non, c'est une façon de parler. Nous avons une base, c'est-à-dire que nous avons une loi électorale qui existe déjà. Ce que nous faisons, ce sont des modifications sur certains aspects pour l'adapter aux circonstances actuelles. Et quand on dit qu'on n'écoute pas peut-être les gens, la société civile ou peut-être nos populations, je dis non. Parce que c'est à cause de tous ces acteurs que, en fait, il y a eu un certain nombre de modifications. Vous vous souviendrez que, pour ce qui concerne la diaspora, il y a eu une forte pression de la société civile au niveau de la diaspora, un peu partout dans le monde, qui a fait des sorties tonitruantes au niveau de la presse. Mais on a tenu compte de leur cri de cœur pour justement aller vous à la modification. Ah oui. Et non seulement vous avez, il y a non seulement les acteurs politiques, il y a l'organe également chargé de l'opérationnalisation des élections, qui est la CENI, qui est régulièrement concertée, donc consultée sur cette question. Et il y a aussi, comme il a dit, en fait, des scientifiques de haut vol, vraiment des universitaires, qui apportent donc leur contribution sur cette question qui est éminemment technique. C'est une question technique, mais on prend en compte les préoccupations de l'ensemble des populations. Et donc, c'est ce qui a été traduit donc dans ce code électoral. Maître Guitanga, sauf que là, depuis 2019, on entend parler de dialogue politique. On ne voit que les politiques, sinon même la majorité ou l'opposition. On a vu par exemple l'opposition non affiliée qui a fait une sortie. On a vu la CODER qui dit, écoutez, il n'y a pas que la majorité et le CFOP. Il y a aussi d'autres acteurs politiques qui ne sont pas interrogés. On ne parle même pas de la société civile. Je suis d'accord avec vous. Je pense que c'est vraiment important de tenir compte de la vie des citoyens à un moment donné. Vous voyez, quand on prend le cas du vote des Burkinabés de l'étranger, pour le principe, c'est bon, mais dans la réalité, c'est pratiquement médiocre. On a vu les résultats que l'on a obtenus en allant à l'enrôlement de ces Burkinabés-là. C'est-à-dire le principe est là, mais sa mise en œuvre a failli dans beaucoup de situations. Parce que quand vous posez le principe du vote des Burkinabés de l'étranger, et que dans sa mise en œuvre, vous l'avez contraint à sa plus portion congrue, en ce moment, c'est comme si on avait réduit le droit donc, de vote de ces citoyens-là. Peut-être que si on avait voulu les prendre au maximum possible, en allant d'abord les rencontrer pour comprendre les réalités du terrain, peut-être que d'autres solutions auraient pu satisfaire. Mais du reste, avec le dialogue politique, vous avez vu que en 2018, ce qui n'avait pas été admis, c'est ce qui est là maintenant. Or, ce consensus est venu un peu trop tard. Après parce que l'enrôlement à l'étranger avait déjà eu lieu et les insuffisances étaient déjà constatées. C'est bien de les corriger, mais est-ce qu'on peut rattraper déjà ce perdu-là? Oui, Monsieur Baganya, je voudrais réagir sur deux points. Je crois que on ne peut pas faire aux partis politiques le procès de monopoliser le débat politique. C'est leur terrain de jeu. C'est tout à fait normal que ce soit les partis politiques qui soient en première ligne dans l'animation de la vie politique d'un pays. C'est vrai pour le Burkina, c'est vrai pour tous les autres pays. Et mieux, les partis politiques jusque-là, qui siègent à l'Assemblée, ont toujours pris en compte les préoccupations exercées et qui ont été exprimées par la société civile. Et voyez d'où nous venons en matière d'élection. Nous sommes passés de listes manuelles à des listes informatisées, à la biométrie. On est passé des bulletins individuels à des bulletins uniques. Et on va dire que les élections s'améliorent d'année en année. Et ça,
on le doit quand même aux partis politiques qui, à travers les députés, votent ces lois pour permettre que tout le monde puisse participer. Il y a la société civile qui soulève le débat aussi. Oui, mais c'est bien de soulever le débat, mais il faut quand même des acteurs pour entériner tout ça en termes de loi. Et est-ce que si les partis politiques n'en convenaient pas, ils avaient l'obligation d'accepter les candidatures indépendantes, qui sont des candidatures concurrentes par principe, mais non, on a ouvert le jeu. On s'est rendu compte que jusque-là, ça ne profite pas vraiment à ceux qui ont demandé cette ouverture. Est-ce que vous n'avez pas compris qu'en réalité, les indépendants ne sont pas encore bien organisés? Oui, mais au moins, le droit leur a été reconnu grâce à la participation des partis politiques à l'Assemblée. Pour en venir au vote de la diaspora, je ne partage pas entièrement l'opinion de Maître Guitanga qui dit qu'on a donné un droit restreint. Pas vraiment. Et peut-être qu'il n'y a pas eu une concertation avancée entre les parties prenantes pour la mise en œuvre du processus. Sinon, depuis février 2019, M. Sawadogo peut le confirmer, le gouvernement a pris des dispositions pour que dans tous les pays, des missions consulaires spéciales soient envoyées afin de doter les compatriotes qui le souhaitaient de CNIB. Puisque c'est la pièce qui a été retenue comme devant servir à l'inscription sur les listes électorales. Il n'y avait pas de limite, on n'a pas empêché quelqu'un de venir. Et oui, mais quand vous envoyez une mission, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire à Abidjan, oui. Alors que vous savez où se trouve le Burkinabé. Ah non. Comment est-ce que vous voulez... Là, vous prenez un mauvais exemple parce qu'en oui. Côte d'Ivoire, nous avons même envoyé... là, excusez le lapsus parce que... Je suis aussi dans un ministère qui s'occupe donc de ces questions de la diaspora. 10 équipes ont été envoyées. Et ces équipes sont basées où? Elles sont dans les champs, à Abidjan, à Soubré et à Boaké. Voilà. Donc, dans les consulats sauf généraux... Sauf que lorsque vous êtes basé à Soubré, peut-être il faut voyager peut-être 100 km, 200. Toujours est-il qu'au résultat, on ne peut pas dire que c'est parce qu'il n'y a pas eu d'effort pour intégrer tout le monde. De toute façon, comme je le disais au tout début, en tant que parti, nous avons tous intérêt à ce qu'il y ait beaucoup d'inscrits. On a tous intérêt à ce qu'il y ait beaucoup d'inscrits. Surtout vos partisans. Non, peu importe. À ce stade, on n'est pas encore en campagne. Mais chaque parti organisé prend les mesures pour que ses militants puissent se faire enrôler. Si certains partis ne l'ont pas fait, bon, c'est dommage parce que le droit est reconnu à la diaspora de participer. Il va vous répondre, Maître Guitanga. Sur la diaspora, ok. Oui, oui en fait, je crois que ce que l'on dit, la révision du code électoral en 2020 l'a confirmé. Si nous prenons ne serait-ce que les lieux, les centres d'enrôlement qui étaient cantonnés aux ambassades et aux consulats, alors que nous savons que vous pouvez prendre un pays où une concentration de Burkinabés peut être à plus de 200 km de l'ambassade ou du consulat. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que le droit de vote, c'est comme on l'a dit, c'est un droit, ce n'est pas un devoir encore dans notre pays. Si fait que... la volonté peut y être, mais souvent les moyens peuvent manquer. Vous comprendrez un citoyen qui va parcourir 300 km pour aller se faire enrôler et attendre le jour du vote pour venir. Ce n'est pas évident. Et l'objectif, donc, c'est de rapprocher l'organe électoral de l'électeur pour lui faciliter l'exercice de ce droit-là. Je crois que c'est ça qui a inspiré, d'ailleurs, les acteurs du dialogue politique à revenir pour dire que pour les élections, les bureaux de vote peuvent être ouverts là où il y a besoin, en dehors même de ces deux lieux que sont l'ambassade et le consulat. C'est parce qu'on a pris conscience que ces deux lieux seulement ne suffisent pas pour permettre justement d'exercer convenablement les droits. Peut-être que si cela avait été prévu au moment de l'enrôlement, on aurait pu avoir peut-être un nombre d'électeurs enrôlés plus élevé que celui-là. Mais je dis...
c'est déjà bon de prendre conscience des défaillances qu'il y a, de les corriger et essayer d'aller de l'avant. Sauf que c'est peut-être médecin après la mort. Non, pas du tout. Je voudrais qu'on puisse étudier un peu les choses. Le vote des Burkinabés de l'extérieur avait été acté pratiquement en 2009. Et je peux dire que c'est pratiquement en 2018-2019 que ça voit le jour. Donc c'est tout un processus. Vous connaissez beaucoup de pays de la sous-région qui a fait le vote des Burkinabés, de vote leurs compatriotes à l'extérieur et qui a eu un grand nombre d'enrôlés. Non, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte certainement du contexte. C'est la première fois que les Burkinabés de l'étranger votent. Ont-ils leçon des expériences que nous avons vécues et puis on avance. Il y a même des pays... Même quand on avait la possibilité de faciliter le vote, on s'est dit, bon, comme c'est la première fois... Non, ce qui justifie le nombre de personnes enrôlées, ce n'est pas l'ouverture des bureaux de vote seulement. Je suis désolé. Parce qu'il aurait fallu aussi que les formations politiques, les partis puissent effectivement procéder à une large sensibilisation sur le terrain, aller partout où il faut pour inciter. Mais vous savez, les partis ont leur propre réalité. Monsieur Sandrou, je vous donne un exemple. Oui. Lorsque vous avez l'ambassade de Belgique, qui couvre pratiquement le Benelux, où vous avez des citoyens qui sont peut-être à Londres, à quelques endroits que ce soit, pour pouvoir s'enrôler, il faut prendre un avion. Il faut payer peut-être entre 200 000 à 300 000. Ça, c'est un exemple que j'ai lu dans la presse. Est-ce que vous vous dites à ce moment-là que c'est la volonté qui a manqué? Et les pays qui n'actent pas le vote de leurs compatriotes à l'extérieur? Mais puisque c'est non, acté... Non, c'est acté. Nous allons pas à pas pour ce qui concerne nos compatriotes à l'extérieur. Et je pense que les résultats que nous avons eus, ce sont des résultats qui sont... acceptable pour une première fois, il faut travailler à ce que certainement pour les prochaines élections, il y ait plus de compatriotes à l'extérieur qui puissent donc voter. Maître Guitenga sourit. C'est la comparaison qui me fait s'ouvrir. Je pense que c'est mieux de prendre conscience de nos insuffisances et de travailler à les améliorer. Parce que si nous rentrons dans la comparaison, on a des pays voisins, des pays voisins du Burkina où les élections sont organisées dans tout pays où ils ont au moins 100 de leurs ressortissants. Rien que ce critère d'éligibilité au Burkina, nous sommes à 500 pour qu'on puisse ouvrir un bureau de vote. Donc la comparaison n'est pas raison, et surtout en ce domaine-là, il y en a qui sont nettement en avance sur nous. Quand on prend un pays comme le Cap-Vert, ils n'ont rien à... vraiment envié à leurs voisins en matière d'organisation. De... Cap-Vert. Oui, prenons... Oui, non, ça c'est loin. Prenons le cas du Mali. Oui. Au Mali, on organise le vote des citoyens à l'étranger. Oui. Là où il y a 100 Maliens, on organise le vote. Oui. Vous voyez? Mais quand vous prenez, par exemple, pour les Maliens, pour le vote récent au niveau du Mali, vous savez que pour ce qui concerne donc le nombre d'enrôlés, ça n'a pas été aussi élevé que ça. Mais justement... Et donc, si on doit comparer, il faut comparer aussi au niveau du nombre d'enrôlés. Moi, je suis complètement d'accord. Mais vous verrez qu'ils sont au-delà de nous sur ce plan-là. Moi, je dis, il faut réunir les conditions... En réalité, là où le vote est un droit, vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à venir s'enrôler. Tout à fait. Mais ce qui est de l'obligation de l'administration, c'est quoi? C'est de réunir les conditions. Et celui qui veut, il vient. Celui qui ne veut pas, il ne vient pas. Parce que, à vrai dire, aller vers l'électeur pour l'enrôler n'est même pas une obligation. Même pas de l'OGE. Même pas de l'OGE. C'est parce qu'on est dans une situation où, si on ne part pas vers l'électeur, il ne sera pas à mesure de se faire enrôler et il ne sera pas dans le fichier électoral, donc il ne pourra pas exercer son droit. C'est pour ça qu'on réunit les conditions pour qu'il puisse le faire. Sinon, ailleurs, ils n'ont même pas besoin de procéder à un enrôlement pour que les citoyens puissent se retrouver sur un fichier électoral et exercer leur droit de vote. Monsieur Bagaya. J'ai l'impression que vous renforcez M. Saoudou dans son opinion. Oui. Moi, je voulais réagir à la comparaison avec le Cap-Vert, bon, qui n'a pas de commune mesure en termes de proportion de la diaspora entre le Cap-Vert et les autres pays. Parce que
de ce que nous savons, il y a beaucoup plus de Cap-Verdiens en dehors du Cap-Vert que sur le territoire national. Donc, chez eux, c'est un cas particulier. Mais je crois qu'on vient de mettre en place Vous êtes sûr que si vous faites bien les statistiques au Burkina, vous n'êtes pas dans la même proportion? En attendant, nous ne disposons pas d'un recensement de Burkinabés de l'extérieur qui nous permette, qui puisse nous permettre de faire une bonne comparaison. Ce sont des estimations. Il faut s'y atteler. Voilà, ce sont des estimations. Et je crois qu'il faut mettre en œuvre le processus. On fera le bilan avant, sinon maintenant nous sommes en train d'épiloguer sur quelque chose qui n'est pas encore arrivé à son terme. Attendons de voir sur les 23 000 inscrits, j'avoue que c'est cher payé, combien se rendront effectivement aux urnes pour nous rendre compte si le jeu en valait vraiment la peine. Je sais qu'il est là. Donc. Alors, M. Saoudougou, revenons sur la sécurité parce qu'on a beaucoup parlé de la diaspora. Il y en a qui disent, est-ce que ce n'est pas le moment peut-être de revoir le mode de vote en organisant par exemple les élections sur deux jours, peut-être à l'espace d'une semaine, le temps d'organiser peut-être dans les endroits encore bien sécurisés et après redéployer les forces de défense et de sécurité à d'autres endroits, peut-être sous insécurité à ce moment-là pour mieux sécuriser ces opérations de vote. Oui, ce sont des opinions que nous entendons par-ci par-là au niveau de la presse, mais vous savez que pour ce qui concerne cette question, c'est une question hautement sensible. Depuis notre expérience démocratique et électorale, on n'a pas encore organisé une élection sur deux jours. Et vous savez aussi que pour ce qui concerne les élections, ça absorbe un budget énorme. Si vous voulez organiser, déjà nous sommes à combien de milliards? Plus d'une cinquantaine de milliards. Si vous voulez étaler ça en deux jours en tenant compte donc des aspects sécuritaires et autres, vous allez être nettement au-dessus. Et vous allez vous rendre compte également qu'il y a d'autres acteurs qui ne sont pas donc pour. Donc ce qui est important, c'est que pour toutes ces propositions, il faut que les acteurs s'entendent. Et que cela soit traduit dans la loi électorale. Si c'est traduit à partir de ce moment, je pense que ça peut être acté. Oui, je sais que dans certains pays, il est arrivé que le vote s'étende sur deux jours, mais c'était dû à des contingences liées à des défaillances techniques que l'OGE avait préconisées. C'est quoi l'OGE? Voilà, mais en tant que parti politique... Ah oui. Nous pensons que ce n'est pas, dans le contexte actuel du Burkina, ce n'est pas quelque chose à envisager, une élection sur deux jours. Parce que dès que les électeurs ont fini d'exercer leurs droits, ils sont en droit d'attendre les résultats de leur suffrage le plus tôt possible. Lorsque l'élection s'étend sur deux jours, c'est la porte ouverte à toutes les manipulations. Et en la matière, on ne se fait pas confiance, ni entre partis politiques, ni entre partis politiques et OGE. Voilà, parce que là, il faut s'assurer que les urnes qui ont été scellées à la fin, au premier jour, sont bien gardées et sécurisées quelque part, en attendant que ceux du deuxième groupe votent. Bon, je crois que c'est bien de lancer comme ça des idées, mais nous pensons que ce n'est pas une bonne solution dans le contexte burkinabé que d'étaler le vote sur deux jours. Alors, Maître Guitanga. Oui, je crois que pour le moment, dans notre contexte, les élections se tiennent le même jour sur toute l'étendue du territoire. Vouloir organiser, je dirais, dans un long temps les élections, c'est comme il a dit, il y a beaucoup de risques. Je crois que pour ce qui concerne le coût, dans tous les cas, la démocratie a un coût et il faut le supporter. Mais c'est la mise en œuvre qui est sensible ici. Lorsque l'on organise des élections sur plus d'une journée, la manipulation même des résultats devient quelque chose de possible. Et là où il y a la manipulation, véritablement, c'est la porte ouverte à la fraude, à la corruption. Et à ce moment, on peut avoir des résultats contestés,
et des résultats contestés ouvrent donc la porte à des conflits post-électoraux. Et dans ce cas, pour le Burkina, je pense que nous avons déjà une situation beaucoup difficile. S'il faut en rajouter, je ne sais pas si on va s'en sortir. Mais comme Bruce l'a dit, c'est aux acteurs de s'entendre et de trouver le mot le plus convenable à notre réalité, parce que l'impossible en la matière n'existe pas, mais il faut le consensus des acteurs. Comme on l'a dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. On peut se faire confiance mutuellement, mais il faut aussi être prudent, parce que souvent vous pouvez être trahi par celui à qui vous placez toute votre confiance. Et en ce moment, même si vous avez un droit de recours après avoir constaté les dégâts, ce n'est pas toujours facile d'obtenir réparation adéquate selon le préjudice subi. Et donc, à ce moment-là, c'est plus prudent? Oui, c'est plus prudent en tout cas de mettre, de conjuguer les efforts pour tenir les élections à bonne date et en une journée, pour minimiser même les risques, je dirais, d'insécurité. Quand on connaît un peu la situation réelle du territoire, je me demande si l'étaler à plusieurs jours, comment ça peut se faire. Bon. Mais peut-être que sur cette question, les experts en matière de sécurité pourront nous éclairer davantage. Parce que s'il s'avère que, au regard de l'étendue du territoire, c'est beaucoup plus difficile de sécuriser en une journée que d'aller par portion, ça peut aussi se comprendre. Est-ce que vous avez pris le soin justement d'écouter ces experts de la sécurité pour voir exactement quelle est la formule avant justement de passer à cette dernière révision? Oui, mais tout à fait, parce que pour ce qui concerne les élections et la sécurité des élections, c'est vraiment du domaine de la CENI qui a pu consulter donc les experts, la gendarmerie, la police, les forces de défense et de sécurité pour la sécurisation des élections. Mais pour le point concernant les deux jours, puisque ça ne fait pas partie de notre ordre du jour, ça ne fait pas partie donc des clauses qui sont inscrites donc dans le calendrier électoral, ce n'est pas une question sur laquelle nous avons débattu. Donc nous avons beaucoup plus débattu sur la sécurisation des élections en un seul jour. Et je pense que nos experts qui sont là en matière de sécurité ont donné donc beaucoup de temps de sécurité pour l'organisation de ces élections. Alors, je précise qu'il est possible de participer à ce débat plutôt en nous appelant au 25 40 79 03. Avant de poursuivre, les acteurs politiques, c'est vous êtes très attendu justement à ces questions de révision. Ce qui a fait retirer cette loi aujourd'hui, c'est parce que ce sur quoi vous vous étiez entendu au départ n'a pas été respecté selon les informations. Bon, je ne connais pas les sources de vos informations, mais ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas vraiment qu'il y a dissension de point de vue entre les acteurs. Comme l'a dit M. Sawadogo en début d'émission, il s'agit d'apporter beaucoup plus de précisions sur certains aspects. Voilà, ce n'est pas un retrait, c'est juste un repli technique. Nous allons améliorer les propositions et on espère que le gouvernement va entériner ces propositions et les transmettra à nouveau à l'Assemblée nationale pour adoption finale. Alors, il est donc possible de nous appeler au 25 40 79 03 pour participer à ce débat. Je crois qu'il doit y avoir Alors, le temps de savoir s'il y a un téléspectateur positionné. Maître Guitanga, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut vraiment prendre en compte dans ce code-là pour pouvoir répondre aux attentes, comme on le dit? Je crois que la première des choses, c'est ce que nous savons tous, c'est comment sécuriser donc les élections. Mais derrière ce tandem, il y a la possibilité donc de permettre aux déplacés de pouvoir voter. Et aussi le sort des résultats au soir donc des élections. Je crois que ce sont autant de questions qu'il faut
mûrir pour trouver les réponses ici pour éviter que, à l'issue des élections, on n'ait pas affaire à d'autres difficultés qui peut-être n'avaient pas été prévues ou ont été minimisées au moment où il fallait les traiter de façon adéquate. Alors, on va prendre notre premier téléspectateur qui nous appelle, M. Nyambri Bourema de Ouargaï. Bonsoir. Bonsoir, M. Nous vous écoutons. Trois questions à poser à M. Darna et à l'homme de Matédé. D'accord. Je voudrais savoir pourquoi, depuis longtemps, lorsqu'un régime vient au pouvoir, il essaie de modifier ou encore de faire des révisions de cartes sur du code électoral. Alors que le CNT avait déjà mis ça là-devant pour que soi-même la Bible pour la bonne conduite. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est la deuxième question. Eux, ils veulent mettre le problème des places internes pour pouvoir faire cela. Mais est-ce que c'est ce que les gens des places veulent? Est-ce que ce n'est pas la sécurité, le retour dans leur domicile qu'ils ont quitté, qui préoccupe se déplacer? Pourquoi profiter de se déplacer pour exploiter quand même le malheur des gens? Moi, je trouve qu'ici, même s'ils veulent faire, il ne faut pas qu'ils mettent, en tout cas, les douleurs de ces gens-là, parce qu'ils ne veulent pas, ce ne sont pas les élections qui les intéressent. Vous voyez? Maintenant, troisième question, je ne sais pas si, depuis longtemps, il y a certaines lois, depuis l'indépendance, qu'on ne révise pas. Maintenant, c'est le cours électoral qui préoccupe les politiciens. Alors qu'on parle de la réconciliation. Est-ce n'est pas intéressant qu'il ait la réunion du cours électoral pour s'occuper de la réconciliation, de la paix et surtout de la sécurité? Parce que quand les gens dans un pays en insécurité, on parle de réunion du cours électoral pour avoir vraiment l'élection, moi je trouve que vraiment ce n'est pas bon. Ça, c'est ma question. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. Nyambri. Alors, on reste avec vous, M. Sawadogo et M. Baganya. Sur le retour des déplacés, d'abord, M. Baganya, parce que la question vous est adressée. Oui. J'ai dit au cours de l'émission que ces déplacés sont nos concitoyens et sont nos potentiels électeurs. Donc, tout ce qui touche à leurs intérêts, tout ce qui touche à leurs droits, nous préoccupe. Et c'est pour cela que nous demandons au gouvernement de faire des propositions idoines afin que ces déplacés-là, en plus du malheur dans lequel ils se trouvent, qu'ils ne soient pas spoliés de leurs droits de voter. Parce que contrairement à ce que M. Nyambri dit, les deux sont liés. S'ils sont dans le malheur, pour les sortir de cette situation de façon définitive, il faut que nous ayons un gouvernement légitime et stable. Et cela, pour le moment, ça se passe dans notre pays à travers les élections. Donc il faut bien qu'ils puissent avoir donc ce droit de choisir qui va résoudre leurs problèmes. Alors, je vais écouter Maître Guitanga parce que cette proposition de M. Nyambri rejoint un peu la position des parlementaires qui avaient proposé, par exemple, qu'on découple les législatives parce qu'il y a des zones qui ne pourraient pas voter. Quelque part, est-ce que souvent aussi, ce n'est pas être réaliste? Alors, je crois que si c'est du réalisme, autant reporter les élections dans leur entièreté. Parce que les élections, qu'elles soient présidentielles, législatives ou municipales, concernent l'ensemble du territoire burkinabé. Les élections présidentielles, je crois que dans les plus profonds villages du Burkina, on doit voter. Parce qu'il s'agit de choisir donc le premier magistrat du pays. Il n'est pas question que l'on puisse priver cela à des citoyens. Alors, pour ce qui concerne l'élection des députés, c'est au niveau provincial. Si on peut économiser des provinces pour aller à l'élection du président au niveau national,
Donc on peut aussi économiser des villages pour aller à l'élection des députés au niveau provincial. Je pense que pour moi, cette logique ne tient pas. Ce qui doit être la priorité, c'est de sécuriser le pays pour permettre donc aux citoyens d'aller accomplir leur droit de vote. Je crois que c'est ça qui devrait être notre priorité à nous tous. Parce que pour moi, rien ne dit que en découplant les élections, on va mieux assurer la sécurité, ou bien que là, les élections présidentielles seront plus sécurisées. Je pense que tout simplement, c'est une manière de déplacer le problème. Et du coup, en déplaçant le problème, peut-être qu'on va l'aggraver. En tout cas, je ne vois pas une solution parce que découpler ne veut pas dire réduire l'insécurité. Découpler ne veut pas dire trouver la solution idoine à l'insécurité. Donc, c'est tout simplement une manière de reporter le problème au lieu de l'affronter et trouver une solution. Oui, parce que M. Yambré parle de réconciliation qu'il faut d'abord. Je crois que c'est ce que le Parlement aussi propose. Après la présidentielle, il faut aller rapidement à la réconciliation. La même question, est-ce que ce n'est pas aussi réaliste? Non, la réconciliation n'a pas forcément de délai, mais les élections, des délais. Nous devons organiser les élections le 22 novembre 2020 et le corps électoral a été convoqué pour cela. La réconciliation, nous pouvons l'entamer dès maintenant. Certainement que ça ne va pas se terminer d'ici décembre 2020. Donc, je crois que ce sont des questions qui peuvent être certainement complémentaires, mais qui ne sont pas tout à fait liées. À partir du moment où l'ensemble des acteurs, en tout cas, sont entendus pour aller aux élections au 22 novembre 2020, il faut tout faire pour toiletter, donc, comme on l'avait dit, le code électoral et permettre aux gens d'aller au vote. Voilà. Monsieur Kassoum Dambri nous appelle de Boromo. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons. Comment allez-vous? Oui, nous allons bien, merci. J'ai deux questions. D'accord. Voilà. Bon, sinon, si on arrive à organiser les élections au soir du 22 novembre, là-haut. Oui. Et si on n'arrive pas à donner les résultats à temps, qui peut assurer l'intérim? Qui peut assurer l'intérim? Bon, qui peut assurer, bon, la tradition, je veux dire quoi. Okay. Si on n'arrive pas à donner les résultats au soir du 22, puisque l'Assemblée n'est plus là, le gouvernement n'est plus là. D'accord. Deuxième question. Deuxième question. M. Barack Sakalé avait dit que dans les mois passés, s'il n'y aura pas la sécurité, il n'y aura pas d'élection. Mais maintenant, il y a des zones où vraiment il n'y a pas l'insécurité, il y a l'insécurité qui sévit tous les jours. Et puis, la CNE dit que sur 80 bureaux de vote sur certaines communes, il y a deux bureaux de vote seulement. Sur le soir du 22 novembre, il y a eu un incident, on ne souhaite pas, il y a eu un incident et les deux bureaux de vote sont emportés. Comment le député sera élu, puisque pour le président, c'est national. Même si le CNI a fait des scénarios au niveau des déplacés, bon, puisque même, bon, moi je ne souhaite même pas que cela arrive. Mais il faut savoir que le vrai messager de la paix, ce sont les rescapés de la guerre. Il faut savoir ça. Actuellement, les déplacés, si vous le demandez, ce n'est pas le truc, puisque nous sommes les victimes, je parle comme ça. Si vous demandez de déplacer actuellement, ce n'est pas les élections qui nous préoccupent, c'est la paix. Voilà, c'est les deux questions comme ça. D'accord. Merci les invités en plateau ici, mais je ne crois pas que Bala Sakandé ait dit dans sa dernière sortie que s'il n'y avait pas la paix, il n'y aura pas d'élection. Je crois que c'est dans un autre contexte, mais comme il n'est pas sur ce plateau, il ne peut pas vous répondre. Les invités ici peuvent donner leur point de vue sur d'abord la première question, M. Sawadogo, qui assure l'intérim si au soir du 22 novembre, on n'a pas eu le temps de donner très tôt les résultats des élections. Non. En fait, pour ce qui concerne donc les élections, tout a été prévu dans le code. Hein. C'est-à-dire que lorsque, au soir du 22 novembre, il n'y a pas de résultats ou qu'il y a des problèmes techniques liés aux élections, il y a le contentieux qui est là. Et tout individu pour pouvoir introduire donc en tout cas quelque chose au niveau donc de la justice pour pouvoir voilà. Mais pour ce qui concerne, il n'y a pas, c'est pas une question d'intérim ici. J'ai vraiment pas très bien compris la question.
Bon, mais là, précisément, c'est, il ne s'agit pas d'intérim. Parce qu'à partir du moment où l'élection a lieu à bonne date, on attend tout bonnement que la CENI organise, donne donc les résultats provisoires. Et s'il y a un contentieux, la justice est là pour pouvoir trancher. Et il y a aussi la possibilité justement de réorganiser justement tout le processus et tout cela c'est prévu dans le code électoral. Voilà ce que je dis certainement sur ce qui concerne la première question. Maître Guitanga, sur la première question. Oui, merci. Je crois qu'on parle d'intérim lorsqu'il y a vacances au pouvoir. Et dans le cas d'espèce, il demande si au soir du 22 novembre il n'y a pas de résultat, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, il faut préciser que le code électoral lui-même prévoit que la CENI a 7 jours pour donc proclamer les résultats. Et ces 7 jours peuvent être prolongés de 3 jours. Donc, ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à 10 jours pour avoir les résultats des élections du 22 novembre. Tout est mis en œuvre pour qu'il y ait des résultats qui puissent être acceptés donc par tous pour éviter qu'il y ait des conflits après les élections. Mais ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que au terme des élections, le candidat élu ne prend fonction que le jour où on a prévu donc sa prestation de serment. Et c'est en ce moment que le prédécesseur devrait donc cesser d'être en fonction. Pour l'Assemblée, on dit que les députés dont le mandat est en cours prend fin avec donc la validation du mandat des nouveaux élus. Voilà comment ça se passe. Donc, je crois qu'il n'y a pas le temps de passer à une question d'intérim à ce niveau. Monsieur Bourguignon. Sur sa deuxième préoccupation. De déplacer, oui. Oui, je voudrais préciser que nous avons le Conseil constitutionnel, donc, qui est l'institution en charge du contrôle de la régularité des élections présidentielles et législatives. Donc, il n'y a pas que le contentieux déclenché par l'électeur ou le candidat. Donc, le Conseil constitutionnel, qui est une institution bien connue dans le domaine des élections, peut, de lui-même, s'il estime qu'il y a eu des irrégularités de nature à compromettre la sincérité du scrutin, peut prendre l'initiative d'annuler certains bureaux de vote. Ils ont toutes les mesures qu'il faut prendre avant d'annuler. C'est toujours motivé. Donne un exemple concret. Il dit que la CENI dit avoir eu 2 bureaux de vote dans certaines communes enrôlées. Si le jour de l'élection, il y a un incident, par exemple, au niveau des 2 communes, enfin 2 bureaux de vote, qu'est-ce qu'on fait? Oui, en fait, ça s'apparente un peu à la question de l'abstention. Ouais. Dire de ce que nous savons, le juge, pour fonder sa décision, tient compte de l'écart qu'il y a entre les candidats. Si les résultats de ces 2 bureaux, l'écart entre les 2 candidats sont tels que les résultats de ces 2 bureaux peuvent impacter sur le résultat final, le juge va se donner les moyens de faire reprendre certainement les élections là-bas pour départager les candidats. Mais si l'écart est tel que plus ces 2 bureaux de vote, ça ne change pas grand-chose au résultat, il peut annuler les résultats de ces bureaux de vote sans ordonner la reprise des élections. Ça ne pose pas de problème. Il y a des mécanismes pour cela. Maître Guitanga, le monsieur a été clair. Hein, il demande si, par exemple, le jour du vote, des hommes armés viennent peut-être emporter les 2 urnes en question, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je crois que déjà, les 2 bureaux de vote dont il parle, à la date d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a un cas où on peut dire qu'ici, il n'y a que 2 bureaux de vote. Je crois que l'amalgame qui se produit, c'est qu'on confond les bureaux de vote et les sites d'enrôlement. Voilà. Actuellement, c'est l'enrôlement et ça ne concerne que les nouveaux majeurs, ceux qui viennent d'avoir 18 ans et qui veulent être sur les listes électorales. Ça veut dire que ceux qui ont déjà leur carte d'électeur sont dans le fichier. Les bureaux de vote qui existaient existent toujours et ce n'est que à l'approche donc des élections que l'on va publier la liste complète de tous les bureaux de vote pour nous permettre de savoir dans chaque localité, voilà les bureaux de vote qu'il y a. Et c'est le jour du vote que l'on saura
dans tel village, telle commune, telle province, il y a eu tant de bureaux de vote qui ont pu effectivement ouvrir leurs portes et tant de bureaux de vote qui n'ont pas pu le faire. C'est en ce moment que l'on saura dans chaque localité il y a eu combien de bureaux de vote. Maintenant, s'il arrive que des bureaux de vote ont vu donc leur matériel emporté peut-être au soir des élections, il y a une grosse interrogation. Qu'est-ce que l'on fait de la comptabilisation donc de ces résultats-là? Je crois que, comme il a dit, il y a aussi des organes qui sont chargés du contentieux électoral. La CENI ne peut pas inventer des résultats là où il n'y en a pas pour remplacer. La CENI va faire donc la compilation des résultats qu'elle a, quitte maintenant pour les citoyens de contester ces résultats-là devant la juridiction habilitée pour apprécier la situation. Alors, Brice Odogo, je trouve personnellement que le monsieur pose des questions de fond. Alors, est-ce que ce n'est pas maintenant que peut-être la loi électorale doit prendre en compte ces aspects-là, comme on sait qu'il y a des villages où c'est véritablement difficile pour des questions sécuritaires, de prévoir tous ces peut-être mécanismes et de se dire que au cas où il n'y a pas vote, voici les situations qui doivent se présenter et puis voilà comment on doit les résoudre. Je voudrais rassurer donc le téléspectateur qui vient d'appeler tout à l'heure que dans les dispositions de la nouvelle loi qui est introduite à l'Assemblée nationale, il est prévu des circonstances exceptionnelles. Et donc ces circonstances exceptionnelles prennent en compte en réalité le cas dont il vient de parler. Donc la révision tient compte, donc, comme on l'a dit, c'est une adaptation en fonction des circonstances que nous pouvons avoir sur le terrain. Et donc au-delà de ça, comme je l'ai dit, le contentieux électoral également est géré par nos juridictions. S'il y a des problèmes particuliers pour ce qui concerne ces cas précis, je crois que nos juridictions pourront donc en aviser pour ce qui concerne ces cas précis. Pour l'acteur politique. Oui, nous nous inscrivons en droite ligne des dispositions que le gouvernement va prendre et que certainement l'Assemblée aussi va adopter. Parce que tout bureau de vote qui n'a pas pu ouvrir ou qui aura été saccagé, et nous le ressentons comme déjà des pertes de voix. Peut-être que nos résultats se seraient améliorés si ces bureaux avaient été comptabilisés. Donc, pour nous, les partis politiques, toutes les mesures que la CENI, que l'administration prendra pour garantir l'intégrité de ces bureaux de vote et de leurs résultats sont bonnes à prendre. Voilà. Donc, nous ne pouvons pas aller dans le sens de souhaiter que les bureaux de vote n'ouvrent pas, parce que plus il y a de potentiel, mieux ça vaut pour nous. D'accord. Je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous, Monsieur Brice-Emmanuel Sawadogo. Vous êtes directeur général des libertés publiques au ministère de l'administration territoriale. Merci à Maître Samuel Guitanga. Vous êtes du Focal. Et merci à M. Joachim Baguignan. Vous êtes du Mouvement du Peuple pour le Progrès, le parti au pouvoir. Et ce soir, on a essayé d'avoir l'opposition avec nous, mais ça n'a pas été possible parce que les acteurs n'étaient pas disponibles. Merci à vous qui nous avez suivis et bonne suite de programme sur la RTP.